Salut, c'est Las. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera tout simplement un haul. On l'avait vu dans le titre, j'étais chez Action et voilà, j'ai acheté des produits que je vais vous présenter là maintenant. Donc, avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Et surtout, retrouvez-moi sur Instagram parce que là-bas, je partage des choses que je n'aborde pas forcément ici sur YouTube. Donc, aujourd'hui, j'ai pris plein de trucs chez Action. Il faut savoir qu'Action, c'est à quelques minutes de chez moi, je crois 5 ou 8 minutes de chez moi comme ça. Et c'est devenu mon magasin préféré. Les choses sont moins chères et il y a aussi des trucs de très bonne qualité là-bas. Donc, on va commencer tout de suite. Regardez. J'ai appris tout ça là. Bon, je vais commencer par vous présenter mes cartons de déménagement parce que voilà, je suis en train de déménager, je quitte mon appartement pour prendre un appartement un peu plus grand que où je suis actuellement. Et du coup, j'ai pris ces cartons de déménagement là. Voilà, je sais pas comment je vais présenter ça, mais c'est j'ai pris environ 12 cartons. Pour de toute façon, je vais vous mettre les prix en bas d'information, mais je crois que le carton m'a coûté un truc comme 1,39 € et vraiment les cartons sont hyper solides, c'est vraiment solide et c'est facile pour je sais pas comment on dit ça, pour fabriquer. Oups. Ben, en fait il suffit juste que vous vous écartez le carton et puis ça vous forme un truc de ouf quoi. C'est pas compliqué en fait comme les cartons d'Amazon parce qu'il faut savoir que j'ai essayé de commander un truc sur Amazon mais c'était la qualité était vraiment froid et pour même assembler le carton c'était vraiment difficile. Et ensuite j'ai pris chez Action, j'ai pris le PQ, j'ai pris le papier toilette. Voilà, de toute façon les prix je vous mettrai ça à l'écran ou bien en bas d'informations. Et aussi j'ai pris ceci là pour nettoyer le balai vaporisateur en fibre, en microfibre, voilà. Et c'est pour nettoyer le sol. Donc vous mettez le produit là dans la boîte. Bref. Vous mettez le produit ici à l'intérieur. Et puis vous nettoyez le sol avec. Moi, en fait, ce que je fais, c'est que j'utilise le vinaigre blanc plus le citron, plus le bicarbonate de soude, le temps pour moi, pour nettoyer pas seulement mon sol, mais aussi certaines surfaces en fait. Voilà. Oups. Et après, j'ai pris mon produit préféré de chez Action. C'est ce produit-là. C'est pour retirer les taches sur les habits blancs. Et aussi, je crois que ça vient en deux qualités en fait. Il y a le blanc, il y a le rose. Le rose en fait, c'est pour retirer les taches sur les habits de couleur. Et ceci, c'est pour retirer les taches sur les habits blancs. Honnêtement, je vous le recommande parce que c'est moi, c'est, je crois que c'est mon meilleur produit de chez Action. Il faut le prendre quoi. Ensuite, chez Action, j'ai pris ceci, c'est pour ce classeur-là. C'est juste pour classer mes documents parce que actuellement j'en ai tellement. Et j'ai aussi pris des brosses à dents pour des visiteurs, donc pour des gens qui vont venir à la maison. Il faut savoir que j'ai une très grande famille. Et du coup, ils sont tout le temps en visite chez moi. Du coup, j'ai pris ces brosses à dents pour eux. J'ai pris chez Action, j'ai pris ceci. C'est le parfum, c'est le spray pour les odeurs à la maison, quoi. C'est au jasmin et aux fleurs de pommier. Voilà ça. C'est comme ma brosse est à foutu. Donc j'ai pris cette brosse-ci là. Ce que j'avais hier complètement et déjà complètement gâté quoi. Du coup, j'ai pris un nouveau pour balayer le sol. Et voilà. J'ai pris ceci là.
C'est pour nettoyer le visage. C'est venu avec des. C'est venu avec quoi? On appelle ça comment? Attendez, 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 attendez. Voilà, c'est venu avec des gommages pour le visage. C'est venu avec une crème pour le visage. Une crème de nuit pour le visage. Une crème de nuit et de jour pour le visage. Et aussi le gommage, quoi. Donc, je m'en coûtais mon dessin aussi, si je me trompe pas. Et là, c'est l'été. Il dit été, dit cocktail. Donc, j'ai pris ceci-là pour l'été. Pour boire des cocktails à la menthe. Pour boire des mojitos. Et encore, voilà, à bout là. J'ai voulu tester ce gel ici-là. C'est un gel de. C'est pour les cheveux, c'est pour tout type de cheveux. Du coup, comme actuellement j'ai les cheveux crépus, je vais un peu essayer. De toute façon, je vais vous dire si les produits que j'ai pris, que j'ai, les nouveaux produits que j'ai pris chez Action, si elles sont à recommander, s'ils sont à recommander ou pas. Donc, sinon, c'est un gel pour plaquer les cheveux et tout. Et là, j'ai pris la serviette de cette couleur-là. Voilà. Je crois que la serviette m'a coûté un truc comme 2,70, 2,70 ou un truc de ce genre. Et après, j'ai pris des masques pour le visage. J'ai pris différents masques pour le visage, quoi. Voilà ça. Ça dépend du type de masque. Parce qu'il y a des. Je sais pas combien j'ai pris ceci, mais je crois que c'est un truc comme 69 cents ou 70 cents, comme ça. J'ai pris environ 6 ou 5 masques. Par la suite, vu que je vous ai dit en début de vidéo que je vais déménager bientôt, j'ai pris. Ces pansements-ci là, ce sont des pansements universels. Donc, au cas où si quelqu'un se blesse ou bien quelqu'un a une égratignure, voilà quoi, on va utiliser cela. Et après, vu que j'ai envie de m'essayer au vlog, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais j'ai envie de m'essayer au vlog un peu pour voir comment ça se passe. Et voilà, j'ai pris ceci là, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est pour les smartphones. Voilà, universel convient à tout. Ah, c'est universel ou non? Voilà. Bref, j'ai pris ça, c'est pour le smartphone, c'est pour vlogger quand peut-être je suis dans la voiture. Ou bien, voilà. Oui, c'est bien beaucoup plus pour ça, pour quand je vais vlogger dans la voiture. Donc, c'est magnétique, tu mets ton smartphone là-dessus et puis, bah, tu commences à parler comme si de rien n'était. Et j'ai aussi pris ce. J'avais pris, voilà. C'est sûr aussi, toujours dans la continuité pour mes vidéos YouTube. J'ai aussi pris on appelle ça pas le tripod. Mais là, c'est pour des vlogs, c'est pour vloguer tout et tout. C'est aussi, on appelle ça le selfie stick. Voilà, mais moi, j'ai pris ça pour vloguer. J'ai aussi pris une souris pour ma machine parce que voilà, je n'avais pas de souris externe. Et voilà, j'ai pris quoi. Et j'ai pris ceci chez Action, c'est le Beauty Depth Skin Softening and Smoothing. C'est pour le gommage au café. Voilà, c'est je vais tester ça, je vais vous dire si c'était intéressant ou pas, si je vous le recommande. Ou pas, mais sinon je crois que j'ai pris un petit, ça coûtait moins de 2 euros quoi. Et quand j'ai screené la composition, c'était vraiment tôt. Ça va un truc comme 14 ou 15%, 15 sur 20. Et encore chez Action, j'ai pris ces deux produits-ci là. Ceci, c'est ce sont des masques pour cheveux quoi. C'est le 3 en 1. Ceci, c'est le 3 en 1. C'est le masque à la banane. Et bon, ceci, j'ai même pas encore testé. J'ai pas encore eu à tester cela. Mais j'ai aussi pris ceci, c'est le masque
à l'avocat et quoi encore. Je crois que c'est ça, deux ingrédients. Bref, c'est toujours le 3 en 1. Je vais tester et puis je vais vous dire si c'est. Oh, ça sent super bon. Je sais pas si le masque à la banane sent pareil. Putain, ça sent la banane. Ça sent vraiment la banane. Tu me demandes si c'est vraiment la banane qu'on a fait ça. Voilà. Et pour terminer, j'ai pris chez Action. Ceci, c'est quoi? C'est pour cet après shampoing-ci aux noix de coco. Bon, il faut savoir que tout ce qui est noix de coco ne passe pas sur mes cheveux. Ça rend plutôt mes cheveux secs. Mais bon, j'ai dit que je vais tester, je vais voir. Puisqu'on a dit que voilà, les produits sont 90% des ingrédients naturels. Ça revoit, mais bon, je vais tester. Et là, j'ai pris le shampoing à l'avocat. C'est pas la première fois qu'il prend ce shampoing. C'est vraiment ce shampoing, quand tu laves tes cheveux avec, il faut savoir que j'ai les cheveux crépus. Quand tu laves tes cheveux avec, ça te laisse, ça t'hydrate vraiment les cheveux. En fait, mes cheveux, ça m'hydrate les cheveux. Ça me laisse les cheveux souples pendant quelques jours. Et j'aime beaucoup ceci, en fait. Contrairement au shampoing à la noix de coco. Mais ceci-là, c'est mon best. Donc voilà, je vous ai présenté, je crois, tout ce que j'ai eu à apprendre à Action aujourd'hui. Et dites-moi en commentaire si vous faites des achats à Action, si vous avez on va dire ça comment, des best produits que vous achetez chez Action. Voilà quoi. Si ce genre de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire, comme ça j'en ferai souvent. Je pourrais même tester les produits pour vous si vous voulez. Comme j'ai dit, Action est juste à côté de chez moi, donc c'est pas un souci. Et comme j'ai dit, les produits que j'ai pas utilisé, que j'ai pas encore utilisé de chez Action, je vais vous faire une revue là-dessus. Et vraiment, j'espère que ça vous plaira. Donc c'est ici que la vidéo se termine. Mets un pouce bleu en l'air si tu as aimé. Commente si tu as utilisé un produit de chez Action ou bien si tu as tout simplement aimé la vidéo. Et voilà, on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Abonne-toi!